Rarement affaire judiciaire tragique n'aura tant ému la France, et il y aura fait si peur. Car c'est arrivé en soirée, lors d'une journée ordinaire, d'un automne encore doux et agréable, et en plein cœur de la capitale. Cette affaire marque les esprits par sa violence, la jeunesse des trois protagonistes, leur personnalité étrange, en particulier pour le silence de Florence Ray, le mystère qui les entoure ainsi que par leur possible motivation politique. Florence Ray et Audrey Maupin, qui se sont séparés de leur ami Abdel Hakim Descartes, surnommé Toumi, ont été présentés comme des révolutionnaires anarchistes, ou du moins des militants proches de l'extrême gauche. Ils veulent en découdre à tout prix. Une cavale meurtrière complètement folle va tenir les forces de l'ordre en haleine toute la soirée et une grande partie de la nuit. Au petit jour, quand le soleil d'automne se lève, le bilan est terrible. 5 personnes ont perdu la vie, 3 policiers, un chauffeur de taxi et l'un des jeunes en cavale. Alors, au vu des éléments judiciaires accumulés, car il y aura eu différentes scènes de crime, des archives journalistiques sauvegardées et des divers articles parus sur le sujet, tant l'affaire Florence Ray, Audrey Maupin a fait polémique en son temps. Essayons de comprendre, heure par heure, ce qui a bien pu se passer dans la tête de ces deux-là, lors de ce périple meurtrier. Essayons aussi de savoir pourquoi ils en sont arrivés là, subitement, ce soir-là, et comment ils n'ont pas hésité à tuer ceux qui leur résistaient. Nous verrons aussi que l'un d'entre eux, au moins, avait déjà eu affaire à la justice, s'étant fait attraper la main dans le sac alors qu'il était encore bien jeune. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire. Ce ne sera pas une affaire de disparition, mais une affaire tragique qui a eu lieu dans la capitale. L'affaire Florence Ray, Audrey Maupin. Vu le nombre très limité de photos sur cette affaire, j'ai décidé de faire cette vidéo exceptionnellement en podcast. Florence Ray est née le mercredi 27 août 1975 à Argenteuil, dans le département du Val d'Oise. À l'école, on dit d'elle qu'elle a été plutôt une bonne élève et qu'elle a été éduquée dans un milieu catholique traditionnel. Selon ses camarades de classe, qui sont unanimes, elle était douce, serviable et extrêmement timide. Elle aimait beaucoup la nature et était une passionnée de littérature. Son enfance est cependant marquée, alors qu'elle est jeune encore, par les hallucinations de son père atteint de schizophrénie profonde. Cela laissera des traces durables sur son comportement affectif et social. Sa vie en restera durablement affectée. En 1993, alors qu'elle a 18 ans, elle rencontre un garçon, un certain Audrey Maupin, qui l'attire et la fascine. Elle entame ensuite des études supérieures, tout d'abord de médecine, puis se réoriente vers les lettres à l'université de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Après son arrestation, en octobre 1994, Florence Ray fut assez vite surnommée par la presse la tueuse née ou encore la tueuse de flics. La fascination qu'elle exerça est liée, pour une grande part, à sa photographie d'identité judiciaire, qui la présente comme très froide, apparemment impassible à son environnement immédiat. Les bras croisés devant elle, le regard vide ou défiant, avec une légère écorchure sur la joue. Audrey Patrick Maupin
est né à Houille, dans le département des Yvelines, le dimanche 20 avril 1972. Il est issu d'un milieu essentiellement ouvrier. Si la famille ne roule pas sur l'or, elle n'est pas pauvre non plus. Passionné d'escalade depuis le plus jeune âge, il était étudiant en philosophie à l'université de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, quand il rencontre Florence Rey. Il a 3 ans de plus qu'elle. Il lit avec passion les philosophes Platon et Hegel, mais découvre aussi les écrits de certains penseurs anarchistes et situationnistes comme Bakounine ou Guy Debord, dont la société du spectacle semble avoir eu une grande influence sur lui. Audrey Maupin se dit très proche du mouvement Scalp, en d'autres termes, la section carrément anti-Le Pen, et manifeste régulièrement dans les rues de Paris sous la bannière de ce groupuscule idéologique dur bien implanté à la faculté de Nanterre. Ce réseau de jeunes gens exaltés et révoltés lutte en particulier contre le racisme et la xénophobie et regroupera jusqu'à une centaine de membres et sympathisants en région parisienne. Parallèlement à cela, Audrey Maupin milite également dans les rangs de la Confédération nationale du travail, la CNT, qui compte elle déjà 2 à 3 000 adhérents. On le retrouve également engagé dans certaines actions souvent spectaculaires, parfois violentes, du groupuscule Droit au logement, le DEAL. On voit, au travers de ces quelques exemples, tout le sens de son engagement politique, qui ne va cesser de se renforcer et, hélas, de se radicaliser. Et il a tout fait d'y faire venir son amoureuse, Florence Rey. Une belle opportunité va se présenter à eux et souder les liens qui les unissent. En mars 1994, Florence Rey et Audrey Maupin participent activement au mouvement de protestation anti-CIP. Si le projet de contrat d'insertion professionnelle du gouvernement Balladur passe plutôt mal, il renforce la contestation des plus jeunes et des groupuscules de tous bords. Et cela plaît à nos deux jeunes gens. Lors d'un grand défilé anti-CIP, Audrey Maupin, qui a maintenant 22 ans, et Florence Rey, qui va en avoir 19, rencontrent un des nombreux manifestants qui partagent leur idée, un certain Gilles. Ce dernier leur propose de participer à une autre marche de protestation tout aussi importante à leurs yeux. Agir ensemble contre le chômage. Les causes se mélangent allègrement, c'est la fusion des luttes. Et le 28 mai 1994, à Paris, à l'occasion de cet événement, Audrey Maupin et Florence Rey vont faire une connaissance déterminante pour leur avenir. C'est Abdel Hakim Descartes, qu'on surnomme Toumi. Il a alors 28 ans et il est né en 1989 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, la banlieue est de Paris. Pauvre, désœuvré, déjà livré à tous les petits trafics et combines. Et ça, Toumi, il connaît bien et par-dessus tout, il aime. À lui aussi, son itinéraire est déjà tracé en pointillé. Si leur vie s'était déjà réorientée après l'abandon de leur étude universitaire, là le cap est donné. Ce sera violence, jusqu'au boutisme, excès en tout genre. Très vite, aux côtés de ce trubillon, ils vont perdre le sens des réalités et de la mesure. Leur engagement commun, tout devant, dans les premiers rangs des manifestations, devient concret, prend sens. Enfin, ils ont un but clairement affiché. Ils donnent un cap à leur combat. Ils rêvent d'un nouveau mai 68, se radicalisent encore. Conjointement, ils arrêtent leur étude, qui selon eux, ne servent à rien sinon à les embourgeoiser. Quittent parents et amis, fréquentent la mouvance, mouvement autonome, et s'installent dans un squat à Nanterre au numéro 1 rue Becquet. Dès lors, leur destin est tracé.
Ils ont délaissé la voie normale des jeunes étudiants sans histoire, qu'ils étaient encore il y a quelques mois à peine. L'idéologie extrémiste, teintée d'anarchie et de violence, les a rattrapés. À partir de là, il n'y aura malheureusement plus d'alternative pour le couple maudit qui s'enfonce toujours plus dans la délinquance. Ils ne reviendront pas en arrière. Tout simplement, ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est trop tard. Audrey Maupin et Abdel Hakim côtoient l'extrême gauche, les anarchistes de tous bords et ce milieu alternatif. Florence, passionnée, suit sans trop se poser de questions. Audrey se laisse largement séduire par ce personnage fantasque, révolté au sang chaud, en ébullition constante, ou du moins qu'il prétend être. On pourrait dire, sans trop se tromper, qu'Audrey est envoûtée, ensorcelée même. Mais au sein de la mouvance autonome, où les idées fusent parfois plus vite que l'éclair, où l'on débat toujours, tout le temps et de tout, certains artivistes se méfient d'Abdel Hakim Dekhar, qui, affirme-t-on, se vante plus qu'il n'agit réellement. La défiance à son égard s'intensifie avec le temps. Qui est réellement cet Abdel Hakim? Un indicateur de la police? Un partisan du GIA, le terrible et sanguinaire groupe islamique armé? Un mythomane? Un prédicateur? Ou simplement un doux rêveur en mal de reconnaissance de la part de ces coré-légionnaires de l'anarchie? Alors, il le sait, il doit agir, il doit faire un coup d'État, marquer un grand coup, s'affirmer, dépasser le verbiage et les séances de harangue des gens qui, de toute façon, sont convaincus d'avance. Les gens diront alors, ça, c'est la signature de Toumi. C'est ce qu'il s'imagine à tout le moins. Et dans cette spirale infernale, il va entraîner, plus qu'il ne le faut, Audrey Maupin et Florence Rey. Alors, en plein été 1994, le turbulent Abdel Hakim échafaude un plan qui doit rehausser son aura auprès de ses pairs. Il va attaquer la préfourrière de la préfecture de police à la porte de Pantin, dans le 19e arrondissement. C'est sur sa route quand il vient d'Aubervilliers et le motif est tout trouvé. Plusieurs fois déjà, sa voiture, qui se trouvait en stationnement irrégulier ou gênant, car l'homme s'affranchit de toutes les règles, on le sait, a été enlevée et il n'a pu la récupérer contre versement d'une amende et de frais conséquents. Lui qui n'a pas le sou, il étudie et repère les lieux, les habitudes des policiers de faction, les allées et venues. C'est vrai que c'est une usine, on ne fait pas trop attention à la sécurité. Ça lui semble jouable, facile même, pense-t-il. Alors, le mardi 5 juillet 1994, décidé à mener son action d'éclat, Abdel Hakim se rend à la Samaritaine en plein cœur de Paris, sur les quais de Seine, pour acquérir un fusil à pompe, pour la coquette somme de 1700 francs. On ne sait pas d'où vient l'argent, mais il paye rubis sur ongle. En ces années-là, pas si lointaines, quand on y réfléchit, 1994, c'était encore possible, sur simple présentation de sa carte d'identité. Mais pour faire son coup, il a besoin de complices, autant pour l'aider, autant pour l'idéaliser dans le rôle de chef de bande, de meneur d'action. Son plan est d'attaquer et de neutraliser les gardiens de la paix, qui ne sont plus que deux en soirée, de s'emparer de leurs armes et de leur équipement, les menottes en particulier. Il y tient beaucoup pour les neutraliser et les attacher pour de futurs braquages d'agences bancaires. L'endroit n'a pas de liaison radio, il l'a remarqué. L'alerte ne risque donc pas d'être immédiatement donnée. Cela leur laissera suffisamment de temps pour s'échapper. Le plan est simple, trop simple peut-être, limpide, presque enfantin. Abdel Hakim réussit sans peine à convaincre Audrey Maupin, qui, lui-même, convainc Florence Rey de les aider. À plusieurs, on est plus fort. Mais pour autant, il ne passe pas à l'action tout de suite.
Abdelhakim est absent une partie de l'été pour affaires. Ce n'est que le jeudi 29 septembre 1994 que Florence Ray se renseigne par téléphone auprès de la Samaritaine, le grand magasin des quais de Seine, pour connaître les conditions d'acquisition d'une arme. Dès le lendemain, le samedi 30 septembre 1994, bien informée, elle se rend au magasin où elle acquiert pour la coquette somme, là aussi, de 2370 francs. Le second fusil à pompe de l'équipée tragique, une arme de marque Mossberg de calibre 12. Pour la partie administrative proprement dite, elle a exhibé un passeport au nom d'Emmanuel Coupard. Ressemblance physique troublante ou négligence flagrante des vendeurs. En tout cas, elle repart ce matin-là avec l'arme sans qu'on lui ait posé trop de questions. Pendant quelques jours, le couple va s'entraîner au tir dans la cave d'un pavillon de banlieue. Car il est vrai qu'ils ont moins l'habitude des armes que leur mentor Toumi. Le soir du lundi 3 octobre 1994, Audrey Maupin et Abdelhakim se rendent discrètement à la porte de Pantin, rôdent longuement aux alentours de la pré-fourrière, confirment les points de détail qui leur manquaient encore. Ils se concertent et arrêtent leur plan. Ils sont décidés. Ce sera pour demain. Il faut agir. Florence Ray est mise au courant dès le retour des deux garçons dans la soirée. Le mardi 4 octobre 1994, à 11h55, c'est l'heure de la transaction bancaire. Florence Ray opère un retrait en espèces de 400 francs à un distributeur d'argent. Place de la République à Paris. Cet argent va servir à acheter deux cagoules et des gants épais dans un magasin de motos. L'après-midi de ce même mardi 4 octobre 1994, Audrey Maupin passe chez sa mère, domiciliée à Besson, dans le département du Val-d'Oise. Le prétexte qu'il donne à cette femme, c'est qu'il a besoin d'un outil pour réparer sa cheminée. La mère ignore tout du domicile de son fils et de ses intentions peu louables. Audrey Maupin repart de chez sa mère, munie de l'outil en question qui servira à scier les crosses ou les canons des deux fusils. L'après-midi est déjà bien avancé quand les trois comparses se retrouvent et peaufinent les derniers points du plan. Il est convenu qu'Abdelhakim se rendra seul à Pantin et attendra près de la pré-fourrière sans se faire remarquer sur cette avenue passante. Florence Ray et Audrey Maupin, quant à eux, prendront le RER A depuis la gare de Nanterre-Ville, d'où ils sont partis à 20h10 et arriveront à la porte de Pantin en métro, après quelques changements. Ils descendent le long de l'avenue Jean Jaurès, passent sous le pont de boulevard périphérique et des boulevards des Maréchaux, et arrivent en vue des lieux ciblés. Toumi les attend comme prévu. Les deux fusils à pompe, dont les canons, ont été sciés. Les munitions et les cagoules sont dissimulées dans un sac de sport qui n'attire pas l'attention. Il y a du monde dans les rames ce soir-là et à cette heure-là, et ils sont passés totalement inaperçus. Abdelhakim, connaissant bien le quartier, le carrefour et les habitudes des riverains, se propose de faire le guet pendant que Florence Ray et Audrey Maupin passeront par le grillage, côté boulevard périphérique, et attaqueront aussitôt la garrigue des gardiens de la paix. Leur sortie devra se faire par l'entrée principale, située rue de la Marseillaise. Il semble s'être réservé le beau rôle, du moins c'est ainsi que certains pourraient le voir. Ensuite, une fois les gardiens de la paix prestement délestés de leurs armes et de leur équipement, attachés et bâillonnés sur deux chaises loin du téléphone, le trio regagnera directement son squat de Nanterre, toujours en transport en commun, en se fondant dans la masse des voyageurs de la soirée. L'opération est lancée sur un ultime regard croisé des trois acteurs. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de signer là, d'une funeste croix, leur destin tragique. Ce soir-là, à 21h25, Florence Ray escalade la première le grillage de 2 mètres de haut. Audrey Maupin, à son tour, franchit la clôture.
Il fait sombre, la nuit va tomber d'un instant à l'autre. Ils enfilent leurs cagoules et atteignent la guérite des gardiens de la paix. L'activité est au ralenti, au vu de l'heure qui s'avance. La porte du local d'un coup d'épaule sec et déterminé. Audrey Maupin, jouant sur un effet de surprise totale, crie « Allez, couchez-vous, face contre terre, vos flingues, vos menottes !» Mais les deux gardiens de la paix sont dépourvus de menottes. Qu'en feraient-ils ici à la fourrière? Et il n'y a aucun moyen de les attacher au radiateur. Une brève hésitation se fait sentir dans la voix de Florence, qui ajoute « Ne bougez pas, couchez-vous !» Mais Audrey Maupin ne l'entend pas de cette oreille et sort une bombe lacrymogène avec laquelle il asperge les visages des gardiens de la paix, arrache les fils du téléphone et s'empare des deux armes des revolvers. Florence Ray et Audrey Maupin quittent le local aussi vite qu'ils y ont surgi et refranchissent l'enclos. Ils sont nerveux. Pierre Quesnay, un musicien de 39 ans, circule en voiture à proximité immédiate du portail de la préfourrière. Témoin, bien malgré lui, de la scène qui va continuer de se jouer dans quelques instants. Il est intrigué par trois personnes, deux hommes et une femme, jeunes tous les trois, qui dégagent une énergie très particulière, très nerveuse. Ce groupe, dira-t-il aux enquêteurs de la police judiciaire parisienne, était dans un état d'excitation tel que j'ai été obligé de m'arrêter. Les deux hommes et la femme ouvrent un sac de sport et en sortent une arme de poing, qui se retrouve entre les mains du plus petit homme, dont le signalement dira sans doute possible qu'il s'agit de Abdel Hakim, qui sans plus attendre se sauve le premier. L'un des gardiens de la paix, François Restoul, âgé de 37 ans, encore commotionné, sort très vite de la guérite et a juste le temps de voir Abdel Hakim s'enfuir le long de la rue de la Marseillaise. Pris de panique, Florence Ray et Audrey Maupin se croient poursuivis, ce qui est inexact, et ne peuvent plus rattraper leur complice. Ils abandonnent la poursuite et vont aller de leur côté pour la pire galère de leur vie. Un taxi parisien, un break Peugeot 405, attend que le feu de circulation passe au vert. Alors que le couple devait initialement reprendre le métro pour le retour, Florence Ray court au milieu de la rue et se précipite vers le taxi à l'arrêt. Elle ouvre la porte arrière gauche de la voiture et s'y assit la première. Audrey Maupin, surpris par la réaction de Florence Ray, est bien obligée de suivre. Ces deux-là viennent, sans le savoir, de commettre un pas supplémentaire dans l'escalade criminelle. Le taxi n'est pas vide et à l'intérieur, il y a déjà un passager, le docteur Georges Monnier. Ne comprenant rien à la scène qui l'a surpris, tout comme son client le chauffeur de taxi, Amadou Diallo s'emporte et crie « Vous voyez bien que j'ai déjà un client !» Pour toute réponse, il voit Audrey Maupin pointer son revolver sur sa nuque et le menacer. « Emmène-nous à Nation et surtout pas d'histoire !» Ils savent que de la place de la Nation, ils peuvent directement rejoindre Nanterre par le RER A. Ils savent aussi que la gare souterraine étant immense, ils n'auront aucun mal à disparaître et à se fondre dans la foule. Le taxi emprunte le périphérique intérieur vers le sud à vive allure. Audrey Maupin demande les papiers d'identité au chauffeur et aux passagers afin de connaître leur adresse, garantie pour le couple de leur silence, et ils pensent ainsi protéger leur fuite. Le docteur obtempère sans difficulté, mais Amadou Diallo, pris de frayeur, assure qu'il ne peut conduire et en même temps chercher ses papiers. C'en est trop pour Audrey Maupin qui s'énerve. Tu te fous de notre... Florence Ray, qui n'est pas en reste, renchérit et après avoir fouillé la sacoche du chauffeur, hurle de plus belle. Tu vas me les donner ou je t'arrache l'oreille. Georges Monnier propose que, dans un premier temps, le chauffeur arrête son taxi pour lui permettre de donner calmement ses papiers. En fait, il essaie de dédramatiser la situation et suggère une solution.
Je suis médecin, restez calme, on vous déposera à Nation, tout se passera bien. » Mais il n'obtient aucune réponse du couple. Alors le médecin enchaîne, toujours assez calmement, pour faire redescendre la pression terrible qui agite l'intérieur du taxi. « Écoutez, vous êtes jeune, vous n'avez pas l'air méchant, soyons calmes. » Visiblement, cela ne plaît pas à Florence Ray, qui l'interrompt et lui répond « Pas de psychologie, docteur Freud !» Le chauffeur refuse toujours de remettre ses papiers d'identité. Audrey Maupin le menace à nouveau, mais rien n'y fait. Le véhicule va arriver place de la Nation. Il est 21h35 quand le taxi se présente au feu de signalisation du carrefour du boulevard de Charonne et du cours de Vincennes. Le feu est au rouge. Le chauffeur de taxi aperçoit en face une voiture de police, serrée, graffiée, une Renault R19 blanche, visible de loin. C'est un équipage de police composé de 3 personnels de la préfecture de police qui est en patrouille. Rien que de très ordinaire, sur un grand axe un soir à Paris. Quand il aperçoit la voiture de police, Amadou Diallo brûle délibérément le feu rouge et vient violemment percuter la voiture de police. Les 3 fonctionnaires, abasourdis et quelque peu surpris, sortent du véhicule, pensant d'abord à un accrochage, tandis qu'Amadou Diallo hurle à qui veut l'entendre « Ils veulent me tuer! Ils veulent me tuer !» Le chauffeur de taxi Amadou Diallo, 49 ans, marié et père de 5 enfants, chauffeur de taxi depuis près de 20 ans, s'échappe du taxi, tente de courir pour s'éloigner de la scène, mais il va tomber mortellement blessé, sous les coups de feu d'Audrey Maupin. À 22h07, le médecin du SAMU de Paris, arrivé en toute hâte sur place, en renfort du dispositif de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, déclarera son décès. Il est la première victime de cette mortelle cavale qui ne fait que de se poursuivre dans l'Est parisien. À peine le taxi immobilisé et le chauffeur froidement abattu, Audrey Maupin ouvre une nouvelle fois le feu à bout portant sur l'un des policiers, avec l'un des revolvers de Pantin qu'il tient à la main. Il est encore à bord du taxi et c'est par la vitre avant gauche ouverte qu'il tire. Le policier Thierry Mémard, âgé de 30 ans, marié à une policière parisienne et père de 2 enfants, qui a fait face à Audrey Maupin à une distance d'1,50 m environ, pas plus, s'effondre sans avoir eu le temps de faire usage de son arme de service. En quelques instants, il est devenu la seconde victime de cette folle tuerie que rien ne semble pouvoir arrêter désormais. À 22h34, le médecin du SAMU de Paris, qui était arrivé en toute hâte sur place, en renfort du dispositif de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, déclarera également son décès. Il est déjà la seconde victime de cette mortelle cavale qui ne fait que de se poursuivre dans l'Est parisien. Audrey Maupin, qui n'est plus lui-même tant l'excitation l'a gagné, tire une seconde fois et vise le deuxième policier qui est sorti du véhicule. Celui-ci, Laurent Gérard, un jeune policier d'à peine 25 ans, vivant en situation maritale avec une jeune élève infirmière, est mortellement touché au dos et s'effondre sur la chaussée, tout près de la voiture de police accidentée. Il tentait de s'abriter derrière la carrosserie et s'apprêtait à riposter au tir nourri qui le visait, lui et ses 2 collègues. Il n'en aura pas eu le temps. Pour le médecin du SAMU, renforcé par un dispositif de secours qui est très vite monté en puissance, tant depuis le SAMU de Paris à l'hôpital Necker Enfants Malades dans le 15e arrondissement que depuis le centre de commandement des sapeurs-pompiers de Paris à la porte de Champéry dans le 17e arrondissement, la terrible besogne se poursuit. À 22h49, il déclare le décès du second policier.
On a tout tenté, mais hélas, on n'a rien pu faire pour lui, devant les graves lésions mortelles qu'il présentait. Le médecin, toujours présent à bord du taxi où il était passager avant tout cela, profite de la confusion générale, ouvre la portière arrière et se glisse par terre hors de la voiture. Florence Ray tentera bien de faire revenir le médecin en le menaçant de son arme pour qu'il soigne son compagnon désormais blessé, mais en vain. Réfugié derrière un réverbère, il est finalement pris en charge par un équipage de police, arrivé sur les lieux, qu'il a quand même mis en joue avant qu'il ne puisse enfin se justifier. En moins d'une heure, 3 personnes, 2 policiers et 1 innocent chauffeur de taxi ont trouvé la mort sur la voie publique dans l'Est parisien. De mémoire de journalistes et de policiers, il y a des décennies qu'il n'y avait pas eu un tel carnage en plein Paris. Florence Ray, depuis la place arrière du taxi, où elle était restée recroquevillée, se met aussi à tirer. Le 3e policier de l'équipage, Régis Descarreaux, âgé de 33 ans, même s'il est légèrement blessé par un tir instinctif venu du taxi, riposte malgré tout avec son arme de service. La voix du policier, toujours seul pour l'instant, héroïque, se fait entendre aussi fort qu'il peut. « Couchez-vous, couchez-vous !» Il sera évacué dès que possible sur l'hôpital voisin Henri Mondor à Créteil. À un moment donné, à court de munitions, seul face à ce duo plus que déterminé, il doit céder du terrain en attendant les renforts qu'il sait en route. Comme pour le rassurer, on entend au loin, venant de toutes les artères de la capitale, les sirènes des voitures de police et des véhicules des sapeurs-pompiers qui convergent vers la place de la Nation. Sur cette place de la Nation, justement, où une panique indescriptible a pris place, remplaçant du coup le calme, le paisible d'une fin de soirée sans histoire. Les détonations répétées se font l'écho des échanges de coups de feu venus de part et d'autre. Partout, en effet, sur les terrasses de café et les restaurants, les consommateurs tentent de fuir et de se mettre à l'abri, là où ils peuvent. Des cris retentissent, comme on pouvait s'y attendre. 2 passants sont atteints par des balles perdues. Une élève infirmière de 20 ans, Emmanuelle Véron, est touchée à la hanche et sera évacuée sur l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Quant au second passant, Alain Roussel, un passant de 43 ans, plus légèrement touché au cuir chevelu, il partira vers l'hôpital Saint-Antoine. Ils sont blessés et seront très vite pris en charge par les sapeurs-pompiers qui installent un poste médical avancé, directement sur la chaussée, à l'abri des tirs. Florence Ray a pu s'extraire de la carrosserie du taxi accidenté. Elle est maintenant à l'extérieur du taxi, agenouillée, une cartouchière en bandoulière, en train de recharger son fusil à pompe. C'est une image de film de grand banditisme. Quant à Audrey Maupin, il est sévèrement blessé à la jambe, mais il peut encore bouger. Sans hésiter, il va aller vers les 2 gardiens de la paix à l'agonie et s'empare de leur arme. L'un des revolvers étant encore dans la main du policier. L'autre arme sera carrément extraite de l'étui de la ceinture du policier agonisant. Dans la confusion, blessé, il va abandonner là, sur place, l'un des 2 fusils à pompe. Florence Ray, lucide face à la situation qui semble leur échapper, comprend qu'il faut bouger et partir de là. Il est 21h40. Ça fait 5 minutes maintenant qu'ils sont immobilisés contre leur gré sur cette maudite place de la Nation. Ils n'ont pas de nouvelles de leur ami Abdel Hakim, sur qui ils comptent encore. À ce moment-là, une voiture Renault Super 5 de couleur noire est à l'arrêt, stoppé par la fusillade, comme tant d'autres véhicules. Les 2 passagers, Jackie Bézimon et son cousin, sont sortis et se sont baissés derrière leur voiture à l'arrêt. Ils sont tout près de la voiture de police accidentée. Tous 2 assistent médusés et incrédules à la terrible scène qui vient de se dérouler et dont ils ne connaissaient pas le début. À un moment donné, Jackie Bézimon, le conducteur, entend un bruit irrégulier de semelles et de pas derrière eux.
c'est Audrey Maupin qui est là. Ils ne peuvent l'éviter. Il arrive droit sur eux. Ils n'ont pu l'éviter. C'est un nouveau cauchemar qui commence. Audrey Maupin se dirige vers Jackie, entraînant la jambe sanguinolente et prend le conducteur Jackie en otage. Florence Ray, qui arrive juste à côté d'Audrey Maupin, monte à l'arrière du véhicule et Audrey Maupin s'installe devant. Il souffre et il est déterminé. Ses ordres sont précis. Allez, roule, roule, tu vas nous sortir de là. Entre-temps, comme nous l'avons vu, la préfecture de police a mis en place un gigantesque dispositif qui doit, à temps, enserrer les fuyards dans une nasse. Mais le dispositif, piloté depuis l'île de la Cité, doit se mettre en place avec des renforts qui viennent de tous les commissariats et toutes les unités de la capitale et de la proche banlieue. Les grandes avenues qui partent en étoile de la place de la Nation commencent à être bloquées les unes après les autres par des barrages policiers. La ville va passer en état de guerre. Il en est de même pour les boulevards des Maréchaux et des deux sens périphériques sont bien sûr à éviter. La seule issue possible est sans doute de tenter de franchir la porte de Vincennes, tant que c'est encore possible, et se diriger vers la commune voisine de Saint-Mandé. C'est ce qu'il tente, sous la contrainte d'Audrey Maupin, l'arme toujours au poing. Au même moment, une voiture de police qui, comme des dizaines d'autres, alertée par un message radio général du poste de directeur de la salle de commandement de la préfecture de police, aperçoit le véhicule en fuite, tente de le rejoindre, essuie des tirs et se trouve vite distancé. Jackie Ben Simon, angoissé, engage une course effrénée, slalomant entre les autres voitures qui le gênent, prend des risques insensés, klaxonne à tout va, fait des appels de phare et malheureusement entre en collision avec une autre voiture. C'est comme dans un mauvais film. Jackie Ben Simon arrive malgré tout à redémarrer. Il va être 22h et la nuit est complètement tombée. La voiture folle arrive dans le bois de Boulogne, sans même que les occupants, tous pris par la nervosité, s'en aperçoivent. Au bois de Vincennes, justement, un motard de la préfecture de police, Jean-Luc Poulouin, s'est lancé à la poursuite des fuyards. Par la fenêtre latérale, Florence Ray, froide et déterminée, essaie de tirer, mais le fusil à pompe s'enraye et ne fonctionne pas. C'est Audrey Maupin qui réarme le fusil qu'elle vient de lui passer et qui, à travers la vitre arrière qui explose, tire sur le motard qui s'est rapproché. C'est un tir nourri qui va avoir lieu. Florence Ray reprend d'autorité le fusil à pompe. Une balle ricoche sur la mentonnière du casque du motard. Sous le choc, Jean-Luc Poulouin perd le contrôle de sa moto qui glisse sur le bitume dans une gerbe d'étincelles. Les fuyards reprennent du terrain et le motard n'est que légèrement blessé et s'en sort miraculeusement. À 21h45, dans la nuit noire, tout feu allumé, la voiture qui a semé le premier motard arrive à toute vitesse sur la route de Gravelles, en plein bois de Vincennes. À la sortie d'un large virage, Jackie Ben Simon, toujours au volant sous la menace d'Audrey, découvre à environ 400 mètres devant eux un barrage de police. Plusieurs véhicules sont positionnés là, tout phare allumé et gyrophare bleu en fonctionnement. On ne peut ne pas les voir, d'autant que les policiers sont en position de tir. Florence Ray, toujours très énervée, commande à Jackie Ben Simon « Vas-y, roule, roule, si tu t'arrêtes, je te bute !» en appuyant sur son fusil à pompe dans le dos de l'otage. Il n'a guère le choix, d'autant qu'il a clairement vu sa détermination à toute épreuve. Elle tire à vue. À 100 mètres à peine du barrage, malgré la menace de Florence et par instinct de survie, Jackie Ben Simon saisit de toutes ses forces le frein à main de la petite voiture qui fait aussitôt deux têtes à queue et s'immobilise. Sous le choc assez violent, la tête d'Audrey heurte violemment le pare-brise, tandis que Florence Ray est déséquilibrée et perd le contrôle de son arme. Malgré tout, un coup de feu part et une cartouche transperce le plafond de la Renault R5.
Pendant ce temps, les renforts policiers sont arrivés et ont littéralement encerclé les fugitifs. Le véhicule est à ce moment criblé de balles. Un policier, l'arme au poing, met en joue le conducteur qui s'éjecte de la voiture et crie « Ne tirez pas, ne tirez pas, je suis un otage !» Jackie Ben Simon, pris pour un complice, est blessé au genou par un tir de policier au cours de la fusillade. Le policier hurle « à plat ventre, bouge pas, à terre !» Il s'exécute tremblant pour sa vie. Un autre motard de la préfecture de police, Guy Jacob, âgé de 37 ans, couche sa moto de travers sur la chaussée et s'approche du véhicule arrêté, l'arme au poing. Presque aussitôt, un nouvel échange de coups de feu a lieu. Audrey Maupin, positionnée à l'avant-droit de la voiture, le vise de près et tire avec l'un des pistolets dérobés à un policier de la préfourrière de Pantin. Guy Jacob, le motard policier, reçoit le coup de feu en face, à quelques mètres à peine. Il vacille et s'effondre alors qu'il se trouve à l'arrière de la voiture. Là, en une seconde à peine, une seconde décharge, provenant elle du fusil à pompe, va le coucher mortellement. Il avait 37 ans, était lui aussi l'époux d'une gardienne de la paix et père de deux enfants. L'un des médecins du SAMU de Paris, arrivé sur les lieux, ne pourra plus rien faire et constatera officiellement son décès, un peu après minuit, très exactement à l'heure du matin, ce mercredi 5 octobre 1994. Il est la quatrième victime et le troisième policier qui tombe sous les balles du couple, Florence Ray et Audrey Maupin. Un autre gardien de la paix présent sur le barrage et qui s'est courageusement approché de son camarade Guy Jacob, mortellement blessé. Sébastien Bloudot, âgé de 24 ans, est touché à la tête par un tir. Il sera évacué sur l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Il s'en sortira, mais la détermination des deux tireurs embusqués dans la voiture est intacte. Patrice Malon, le policier collègue de Guy Jacob, décharge alors son revolver en direction du passager avant, qu'il voit dans son axe de tir. Il est 21h50. C'est la fin de la cavale. Il fallait bien, dans cette histoire tragique, que l'un des protagonistes meure. Audrey Maupin, incapable de bouger car coincée par le bas de la planche de bord, refusant de se rendre et alors atteint par plusieurs projectiles et s'effondre sur le tableau de bord. Il est grièvement touché et il le sait. Florence Ray, quant à elle, s'est recroquevillée entre les sièges arrière. Elle a baissé son arme entre les deux sièges avant. Elle embrasse une dernière fois son compagnon, puis, menottée, elle finit par se laisser extraire et emmener par les forces de l'ordre. Audrey Maupin, très grièvement blessée et évacuée en urgence absolue sur l'hôpital de Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre. Les médecins tentent l'impossible mais les lésions sont fatales. Audrey Maupin mourra le mercredi 5 octobre 1994 à 22h15 à l'hôpital sans avoir repris connaissance. On est le 5 octobre 1994. La nuit a passé. Tous les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de l'assistance publique. Hôpitaux de Paris qui, dès l'information recueillie, avait été mis en alerte maximale. Le dernier acteur de la scène qui a failli mourir lui aussi, Jackie Ben Simon, conducteur pris en otage dans sa voiture et emmené en ambulance à l'Hôtel Dieu, dans le 4e arrondissement de Paris, où il est hospitalisé jusqu'au samedi 15 octobre 1994. Le vendredi 7 octobre 1994, dans la matinée, une matinée empreinte de solennité et de tristesse. Une cérémonie solennelle et des hommages venus de toutes parts, nationaux et internationaux, sont rendus dans la cour de la préfecture de police sur l'île de la Cité, en plein Paris. À la mémoire des trois policiers tués, cités à l'ordre de la nation et décorés de la Légion d'honneur. À eux seuls, ils laissent 3 veufs et 4 orphelins. Les plus hautes autorités de l'État s'emparent du sujet. On évoque illusoirement, car les textes votés sont clairs,
du rétablissement de la peine de mort dans les cas les plus graves, comme ceux du soir du 4 octobre. C'est aller un peu vite en besogne, mais il faut bien rassurer les forces de l'ordre et la population qui ne comprend pas un tel déchaînement de violence. Le débat politique s'enflamme. Il portera suite à la gradation des peines en fonction des qualités des victimes. Cela met en cause les textes et l'appréciation souveraine des magistrats et des jurés. Tout cela va vite retomber néanmoins, preuve que c'était peut-être nécessaire, mais pas indispensable. Il faut laisser aux législateurs le soin de faire les lois. Au lendemain de la tragédie, plus de 50 chauffeurs de taxi ont unanimement exprimé leur colère par une grande manifestation, organisée symboliquement sur la place de la Nation. Ils rendent hommage à leurs collègues assassinés sur cette même place parisienne et réclament de meilleures mesures pour les protéger, eux qui sont au service du public. Ce fait divers tragique intervient en plein débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sécurité. Ce projet, déjà contesté avant son introduction dans les débats, a d'emblée suscité de vives polémiques entre l'opposition et le gouvernement d'alors, les uns accusant les autres d'exploiter l'événement dramatique de la place de la Nation pour renforcer le dispositif sur la sécurité en France. Les débats sont vifs entre répression forte, angélisme benoît et juste milieu impossible à trouver. On parle de mal endémique, de crise de la société, déjà, de dérive d'une partie de la jeunesse. Certains, nostalgiques ou déçus, doivent même rêver de mai 1968. Rien n'y fait. Les lois dites « Pasqua » du nom du ministre de l'Intérieur sur la sécurité seront finalement adoptées le 21 janvier 1995 et promulguées dans la foulée. Transférés aussitôt des lieux du drame, dans le bois de Vincennes, à la police judiciaire à Paris, quai des Orfèvres, tard dans la soirée du mardi 4 octobre 1994. Florence Rey va se murer dans le silence. Sa stratégie est de ne rien dire. Elle subit sa présence ici, dans les locaux de la ruche bourdonnante du 5e étage du bâtiment. On est dans le fief de la prestigieuse brigade criminelle. Il fallut tout de même plus de 10 heures d'interrogatoire pour qu'elle consente enfin à donner son nom. Ce mutisme presque complet, qui durera en réalité plusieurs mois, est interprété par les psychiatres comme un état de sidération. La violence des actes causés par ces deux étudiants, totalement inconnus des services de police et issus de familles apparemment sans problème, provoqua le soir même et les jours d'après un très vif émoi dans le contexte des manifestations étudiantes organisées sporadiquement contre le contrat première embauche, le temps contesté CIP. Les journalistes et les chroniqueurs ne s'y trompent guère. C'est tout de suite politique. C'est un événement national qui prend immédiatement une dimension qui nous dépasse tous. Nous nous retrouvons impuissants devant un fait de société totalement inédit d'une violence inouïe. Florence Rey, on l'aura vite compris, va se retrouver seule face à la main de la justice. Et, là non plus, il n'est pas besoin d'être grand clerc pour savoir que cette main va sans nul doute être lourde, très lourde même, au vu du périple sanglant du jeune couple. Son attitude renformée, manifestement hostile, murée dans le silence le plus total, ne va pas l'arranger aux yeux de la presse et de la population. Certains la voient même comme une goule sanguinaire, une terroriste, ce qu'elle n'est pas a priori, murée dans son silence et dans sa haine absolue. Elle deviendra vite la tueuse des flics, et on sent bien qu'un nouveau mythe est en train de naître, petit à petit, celui de Florence Rey, dans la continuité de ses aînés d'il y a deux décennies déjà, les redoutables Nathalie Ménignon et Joël Ombron. Cette affaire médiatisée, impliquant une nouvelle fois une femme, ce à quoi on ne s'était pas encore habitué, provoque à la fois fascination pour un mythe, une légende et inversion au vu des faits commis de sang-froid. Dans les mois qui suivent la fusillade, la colère ne retombe pas.
ni l'esprit bravache non plus. On voit circuler ici et là, par bravade et par provocation, des t-shirts de l'effigie de Florence Ray. Des rappeurs lui dédient même des chansons. Comme on l'avait pressenti, elle devient pour les uns une icône rebelle, pour les autres, le symbole du malaise d'une jeunesse en panne d'avenir et d'idéal. De surcroît, ni aux enquêteurs de la police judiciaire, ni aux magistrats instructeurs, elle ne livre, elle ne donne ni motivation, ni mobile clair, ni revendication éventuelle, rien. Elle subit en silence, hostile, les interrogatoires à n'en plus finir, les allers-retours entre la maison d'arrêt et le palais de justice de Paris. Car sa détention préventive va être longue, très longue, au vu des investigations que les magistrats ont à entreprendre pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir-là et surtout pourquoi. Des journalistes, des psychologues, des chercheurs mettent en avant que l'histoire de Florence Ray soit en réalité l'objet d'une récupération médiatique, d'une réécriture de l'histoire de ces deux jeunes gens. Certains journalistes avancent ainsi que leur coup de folie pourrait être inspiré par le film Tourné du réalisateur Oliver Stone, parce que dans leur squat de Nanterre, il y avait une affiche de ce film. Bon, on va peut-être loin. L'histoire dira que c'est un tiers qui avait amené cette affiche un jour sans aucune arrière-pensée. D'aucuns diront encore que peut-être qu'on a voulu donner à toute cette histoire un sens qu'elle n'avait pas. Un mythe né d'une photo, celle de Florence Ray, visage énigmatique, et d'une absence, celle d'Audrey Maupin, tueur aux allures romantiques. Décidément, le grand public n'aime pas les assassins qui n'ont pas la gueule de l'emploi. Ceux des films noirs, les voyous, les bandits, les mafieux, ceux de la pègre et des bas-fonds. Mais ici, rien de tout cela. Car si ces deux-là avaient eu une mine patibulaire et des airs de brutes sans foi, on les aurait sans doute vite oubliés. Mais parce qu'ils étaient jeunes, beaux et amoureux, le crime devenait tout simplement impensable. On en parlerait jusqu'à la fin des temps. Il faut peu de choses pour nourrir la notoriété d'un fait divers. Une autre piste avancée fut celle de l'influence d'une idéologie d'extrême gauche, qui aurait poussé les deux étudiants à s'en prendre aux forces de l'ordre. Elle se fondait sur le fait que l'on avait retrouvé de la littérature et des tracts anarchistes dans le squat, ainsi que dans la chambre de Florence Ray chez ses parents. On dit d'eux que ce sont des héritiers d'actions directes et que le vol d'armes de policiers aurait pu être une action préparatoire pour mettre sur pied un groupe terroriste révolutionnaire ou être l'épreuve obligatoire pour intégrer un groupuscule de déjà existants. Cette interprétation a semblé un temps être confirmée par la mise en cause d'un troisième homme, celui qui avait disparu après la tuerie, le dénommé Dec Haar, celui-là même qui avait fait le guet à la préfourrière de Pantin et qui se présentait fanfaronnant sans preuve réelle comme membre des services secrets algériens chargés d'infiltrer pour le compte de la police la mouvance autonome. On comprend que les magistrats ont du mal à démêler le vrai du faux, le factice du réel. C'en n'est pas fini, loin de là. L'hypothèse que les deux jeunes anarchistes auraient pu être victimes d'une manipulation a même été avancée car l'enquête va révéler que dès le jeudi 6 octobre 1994, Abdel Hakim Dec Haar insiste un de ses camarades, Stéphane Violet, 34 ans, intermittent du spectacle, scénariste et cinéaste, à s'enfuir. Il sait que ce dernier a hébergé Florence Ray et Audrey Maupin, qu'il héberge également un dénommé Maxime Aubin et sa compagne Emmanuelle Coupard, dont le passeport est utilisé pour l'achat du deuxième fusil à pompe. La boucle est donc bouclée dans le groupuscule qui n'est ni terroriste ni activiste, mais néanmoins très emmêlé. Et effectivement, le samedi 8 octobre 1994, Stéphane Violet et son amie Cécile Debrenne quittent la France en toute hâte pour rejoindre Lisbonne au Portugal. Auraient-ils quelque chose à se reprocher? Ou, plus simplement, ont-ils pris peur devant les déclarations tonitruantes et alarmistes d'Abdel Hakim Dec Haar? Stéphane Violet sera également mis en examen et incarcéré le 19 janvier 1996.
En effet, il sera activement recherché sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis le 29 juin 1995. Ce dernier s'est donc présenté spontanément ce 19 janvier 1996 au juge d'instruction Hervé Stéphan, qui l'a mis en examen pour association de malfaiteurs et complicité de vol à main armée. Les investigations concernant l'achat du premier fusil à pompe permettent très vite de remonter la piste jusqu'à Abdel Hakim Dekhar, qui est interpellé le mardi 18 octobre 1994 par les personnels de la brigade criminelle de la préfecture de police à son domicile d'Aubervilliers. La perquisition effectuée dans son domicile va s'avérer bonne pour les enquêteurs. En effet, il n'avait ni déménagé ni pris le soin de mettre ses affaires douteuses en lieu sûr, comme une fausse carte d'identité et une grosse somme d'argent en numéraire, près de 10 000 francs. Avec sa verve habituelle et sa gouillale, Abdel Hakim Dekhar conteste obstinément être le troisième homme et se disculpe en dénonçant notamment plusieurs militants d'extrême gauche. Selon son témoignage, le commanditaire unique pour l'acquisition de ce fusil à pompe serait un certain Philippe Lemoual, un autonome de 30 ans qui a été condamné par le passé à 5 ans de prison pour une attaque de banque. Et les magistrats n'en auront pas fini, pas encore, avec le sulfureux Abdel Hakim qui fera de nouveau parler de lui lorsqu'on le désignera principal responsable de plusieurs fusillades qui ont eu lieu à Paris en 2013. Quant au dénommé Philippe Lelual, mis en cause par Abdel Hakim, il est interpellé sans ménagement le 28 octobre 1995 à 6h30 en compagnie de sa fiancée Marie dans leur pavillon de Suresnes. Pas moins de 40 policiers de plusieurs unités d'élite de la police parisienne ont fait le déplacement pour cueillir le couple à l'aube. Les enquêteurs de la police judiciaire parisienne trouveront effectivement un fusil à pompe, acheté légalement celui-là, et qui n'est pas celui qui a servi dans la tuerie de début octobre. De façon plus anecdotique, mais très curieuse, les mêmes enquêteurs tomberont sur un court-métrage de Stéphane Viollet, l'ami du couple interpellé, intitulé « De la politique ». Ce court-métrage, inspiré d'un fait divers, retient l'attention des inspecteurs car il y a question d'une prise d'otage et d'un gardien de la paix abattu avec son arme de service. La ressemblance avec des faits tragiques récents est frappante. Mis en examen pour complicité de vol à main armée et association de malfaiteurs, Philippe Lemoual est écroué à la maison d'arrêt de Fresnes pour une durée de 5 mois. Abdel Hakim implique également Stéphane Viollet dans le recel de l'une des armes dérobées à la préfourrière de Pantin et qui n'a jamais été retrouvée. La perquisition menée à l'adresse indiquée par Abdel Hakim, rue PC Récourt, dans le 20e arrondissement de Paris, est restée vaine, hormis une liasse de billets vierges de la SNCF, volée dans une gare de Seine-Maritime, mais sans lien avec cette affaire. Abdel Hakim suggère une fois de plus que Stéphane Viollet aurait peut-être remis l'arme à Maxime Aubin, après une nouvelle interpellation et une perquisition sans le moindre résultat. Maxime Aubin et Emmanuel Coupard sont finalement mis hors de cause. L'accusation était totalement infondée et le caractère mythomane d'Abdel Hakim ressort pleinement. Au procès qui va se tenir, aucune preuve n'est jamais venue confirmer l'existence d'un groupe révolutionnaire plus vaste auquel auraient appartenu Florence Ray et Audrey Maupin. C'était une pure invention. Florence Ray et Audrey Maupin ont également été présentées comme un couple diabolique uni à jamais dans le crime à la Bonnie and Clyde, ou encore comme deux jeunes totalement paumés et en rupture avec la société, animés par une idéologie vaguement nihiliste. Cette hypothèse est soutenue par l'avocat de Florence Ray, qui montrait le couple vivant sans eau ni électricité, vivant dans un squat à Nanterre. Ils se seraient ainsi trouvés pris dans une spirale de violence qui les aurait dépassés. Mais cet argument ne fera pas toute la lumière sur l'affaire.
En effet, murée dans son silence pesant, Florence Ray restera toujours très vague sur les circonstances et les mobiles de l'attaque, de la préfourrière et des fusillades qui l'ont suivie. Elle se contenta de répéter au juge d'instruction, Hervé Stéphan, qu'elle n'avait pas voulu qu'Audrey Maupin, dont elle continuait alors à parler au présent, risque sa vie sans elle. Mais Florence Ray culpabilise d'avoir partagé l'idée irréfléchie d'Audrey Maupin d'aller plus loin. Petit bémol enfin, lors d'un ultime interrogatoire chez le juge d'instruction le 21 juin 1996, où Florence Ray reconnaît, je cite, « Je regrette que cela se soit passé parce que cela a fait souffrir beaucoup de gens et que c'était stupide. » Sur le moment, je n'ai pas réfléchi. J'étais dans des conditions pas très stables. J'avais du mal à m'opposer et à m'affirmer par rapport à Audrey. Je me fais des reproches là-dessus. J'avais besoin de me sentir utile et qu'ils me reconnaissent, ce qui n'était pas souvent le cas. Les trois reconstitutions des trois scènes de crime principales ont eu lieu respectivement le 24 octobre 1995 pour les faits de la préfourrière de Pantin, le 15 novembre 1995 pour les faits de la place de la Nation et le 12 décembre 1995 pour l'ultime acte de la route de Gravel en plein cœur du bois dans le bois de Vincennes. Cependant, Stéphane Viollet rejette ces accusations et nie formellement avoir pris part avec le couple à l'attaque de la préfourrière de Pantin. Il n'était pas informé de cela et n'avait aucune raison d'y participer. Florence Ray, interrogée le 14 février 1996 par le juge d'instruction, innocentera Stéphane Viollet et reconnaît qu'Abdel Hakim est bien le troisième homme de l'attaque de la préfourrière de Pantin. Il avait déjà été mis en examen et placé sous mandat de dépôt pour avoir acheté, sur présentation de sa propre carte d'identité, un des fusils à pompe ayant servi pendant la fusillade. D'autre part, au moment des faits, du 4 octobre 1994, deux témoins, un des gardiens de la préfourrière de Pantin et un passant, ont bien aperçu une troisième personne dont le signalement correspond en tout point à Abdel Hakim. L'individu ne peut plus se défausser sur l'un de ses amis, comme il l'a tenté maladroitement avec Stéphane Viollet. Le mystère du troisième homme est enfin levé et Abdel Hakim sera fort logiquement poursuivi pour vol à main armée et participation à une association de malfaiteurs. Le juge d'instruction a achevé ses investigations le 8 mai 1997. L'affaire va être présentée à la chambre de l'instruction pour aller aux assises. La première chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris renvoie Florence Ray et Abdel Hakim devant la cour d'assises le 3 juillet 1997. Les charges qui pèsent sur Florence Ray sont très graves. Vol à main armée, meurtre et tentative de meurtre commis sur des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions ayant précédé, accompagné ou suivi d'autres crimes, enlèvement et séquestration de personnes comme otages pour favoriser la fuite des auteurs d'un crime, participation à une association de malfaiteurs. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Quelques mois avant le procès, qui a eu lieu du 17 au 30 septembre 1998. Florence Ray souhaite que le père d'Audrey, Bernard Maupin, ne vienne plus lui rendre visite à la prison de Fleury-Mérogis. À l'époque, elle apparaît comme une détenue calme et discrète, appréciée par les autres prisonnières, venant en aide à ses codétenus qui soulignent sa disposition bienveillante à l'égard des autres, apprend l'informatique, le traitement de texte, la bureautique, participe à l'atelier théâtral de la prison et se réfugie à la bibliothèque de la maison d'arrêt. Le procès, on s'en doute très médiatique, va finalement s'ouvrir le jeudi 17 septembre 1998, soit près de 4 ans après les faits, devant la cour d'assises de Paris. Florence Ray y apparaît prostrée et se montre presque incapable de s'exprimer au cours des 2 semaines d'audience. Ses avocats, Maître Henri Leclerc et Olivia Kligman, lui reprochent publiquement son attitude assez peu coopérative.
pour la défendre au mieux. Il la présente comme une jeune fille qui a suivi par amour son compagnon dans son projet insensé de braquage, sans en mesurer les conséquences, et dont la vie a basculé dans l'horreur, dans la panique de la fusillade. Il s'appuie sur les expertises balistiques qui prouvent qu'elle n'a tiré aucun des coups de feu mortels, ainsi que sur le rapport des psychiatres. Ceux-ci décrivent l'accusée comme une adolescente fragile ayant grandi dans un cocon familial pathogène, marqué par la maladie mentale de son père, victime d'hallucinations auditives et sensorielles graves, maladie qui éteignait et cachait. Ils mettent aussi en évidence la passion fusionnelle de Florence Ray pour Audrey Maupin, sous l'emprise totale duquel elle était. La complémentarité malheureuse des deux personnalités et l'absence de dangerosité sociale de la jeune femme. Pour le co-accusé, Abdel Hakim, alias Toumi, c'est une autre paire de manches. Il est défendu par maître Emmanuel Hausseur, Pélison et Raphaël Constant. Il reconnaît avoir acheté un des deux fusils à pompe, ayant servi lors des fusillades, mais réfute totalement les accusations de complicité dans le braquage de la préfourrière de Pantin. Florence Ray a pourtant bien désigné Abdel Hakim comme étant le troisième homme, et ce, dès le mois de février 1996, chargé de faire le guet lors de l'attaque à main armée. Mais Abdel Hakim, conforme à lui-même, affirme être victime d'un complot de la mouvance autonome et sa ligne de défense reste invariable. À l'en croire, on en est à 100 lieues des faits pour lesquels il est mis en examen. Il était chargé par le gouvernement algérien d'infiltrer l'extrême gauche française en relation avec des réseaux islamistes. Les experts psychologues établissent clairement le portrait de l'accusé, comme celui d'un individu aux tendances affabulatoires et mythomaniaques, qui font de lui un agent de l'ombre, se disant investi d'une mission politique au service de la cause algérienne. En réalité, il est le seul à y croire. Le mercredi 30 septembre 1998, le procès va vers sa fin. Les plaidoiries de l'avocat général et des avocats des diverses parties ont eu lieu. La cour se retire et après 5h30 de délibéré, elle condamne Florence Ray à une peine de 20 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté, comme co-auteur du meurtre de l'un des policiers et complice de celui des trois autres victimes. Abdel Hakim, lui, est condamné à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il est acquitté pour le vol des armes de la préfourrière de Pantin. Le lendemain, le jeudi 1er octobre 1998, au procès civil, les trois magistrats de la cour condamnent également Florence Ray à verser 2,35 millions de francs de dommages et intérêts au parti civil. C'est énorme pour elle qui n'a pas le sou. Les familles des victimes se sont déclarées déçues de la clémence du verdict. Florence Ray va d'abord purger sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en région parisienne, de 1994 à 2000, puis jusqu'en 2009. Elle fait, selon les informations diffusées à l'époque, plusieurs tentatives de mettre fin à ses jours, durant les premières années de sa détention. Placée en isolement de novembre 1994 à juin 1995 à cause du risque qu'elle mette fin à ses jours et du fait que l'on a retrouvé un plan de la prison dessiné par elle dans sa chaussure, ce qui est interprété comme une possible tentative d'évasion, elle refusera les tranquillisants et les somnifères qu'on lui propose. Après son procès, Florence Ray renonce à son pourvoi en cassation. De fait, au vu de son désistement, le 14 avril 1999, sa condamnation devient définitive, toutes les voies de recours ayant été purgées. Et, logiquement, de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la détenue Florence Ray est donc transférée à la maison centrale de Rennes en 2000 pour y purger sa peine. Tout au long de son incarcération, elle refuse les sollicitations de la presse et impose le même silence à ses proches. Elle est soutenue par sa mère qui est très présente durant sa détention. En janvier 2001, au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, Florence Ray demande à Chantal Maupin de ne plus venir la voir
en raison d'une mésentente. Mais la mère d'Audrey Maupin donne par la suite sa version des faits, disant que Florence Rey voulait mettre un terme final à ses histoires du passé. À la maison centrale de Rennes, Florence Rey fait beaucoup de sport, se passionne pour la peinture et se perfectionne en informatique. Elle fréquente assidûment la bibliothèque et participe au jury d'un prix littéraire, le prix Welpler. Elle obtient ses premières permissions en 2007 de la part du juge de l'application des peines quand, à l'administration de la prison, organise ses sorties extérieures. Elle se consacre aux études et prépare avec sérieux son insertion à venir, selon le personnel pénitentiaire. Très indépendante dans le choix professionnel, elle est consciente de la difficulté que représente son dossier sensible et médiatisé. Elle suit des études universitaires d'histoire-géographie, mais celle-ci offre peu de débouchés dans le cadre de son insertion. Pour compléter sa formation et encouragée par sa conseillère d'insertion et de probation, elle décide de s'orienter vers un BTS d'assistance de gestion PME-PMI pendant les deux dernières années de sa détention. Elle effectue son premier stage dans une entreprise en février-mars 2008 et un second à la même période. Elle est autorisée à sortir pour faire ses stages à Rennes. Elle passe avec succès les épreuves de son BTS juste après sa libération. Florence Rey est décrite par l'administration pénitentiaire comme une détenue modèle qui travaille. Suite à sa condamnation, Florence Rey bénéficiera des réductions de peine que tous les détenus reçoivent normalement pour bonne conduite et pour effort de réinsertion. Elle est donc libérée grâce à ce processus le 2 mai 2009, après 15 ans d'emprisonnement effectué, qui paraît exceptionnel aux professionnels du droit. Cette nouvelle fait la une des médias et provoque des réactions très vives dans les commentaires des lecteurs sur les sites des journaux, les forums de discussion et sur les blogs. Le syndicat de police Alliance se dit choqué que des réductions de peine soient accordées à une personne ayant tiré sur des policiers. Le syndicat demande l'ouverture d'un débat sur l'exécution des peines en France. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Michèle Alliot-Marie, interrogée à ce sujet, précise que cette libération est conforme à la loi. C'est certes très difficile à admettre pour les familles des victimes, mais cela fait partie des règles du système judiciaire en France. Une fois libérée, Florence Rey souhaiterait tourner la page. Pour son avocat, Maître Henri Leclerc, c'est un aboutissement logique du droit qu'il a plaidé. 15 ans de détention, c'est une lourde peine. J'avais demandé au juré de lui laisser la chance d'avoir un jour des enfants. Je souhaite maintenant qu'elle puisse vivre tranquille. Dans le cas de sa réinsertion, Florence Rey rejoint à la fin du mois d'août 2009 l'équipe de tournage du film « L'orpheline avec en plus un bras en moins » réalisé par son ami Jacques Richard en Bourgogne. Elle est religieuse stagiaire et figurante dans le rôle d'une religieuse. Le film sort dans les salles de cinéma au mois de janvier 2012. Et elle est citée au générique. Après sa brève expérience dans le monde du cinéma, elle se dirige vers celui de l'édition en 2010, plus en rapport avec ses études d'assistante de gestion. Si tout le monde, journalistes, médias, people, s'est passionné en temps réel pour la cavale du couple Florence Rey-Audrey Maupin, force est de constater que la pression est retombée. Une à une, les hypothèses se sont finalement fermées et on est resté à ce couple de jeunes gens paumés et idéalistes, comme dans le film Turné. Quelques écrivains, des cinéastes, des chanteurs, des romanciers, des chroniqueurs judiciaires se seront finalement penchés sur le cas Florence Rey-Audrey Maupin, en publiant quelques articles ici et là, en leur temps ou quand l'actualité l'exigeait. Le sujet était-il trop enflammé et trop ardu ? La cause ne méritait-elle pas qu'on s'y attarde ?
C'est aussi la dure loi des faits divers qui se succèdent et dont l'un peut effacer l'autre. C'est la fin de cette affaire. Je suis désolé pour le format de cette vidéo, c'est exceptionnel, car il n'y a pas assez de photos pour la durée de la vidéo. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.